Alors, bonjour tout le monde, surtout copains de Swing Joe. Alors, je fais un petit film juste pour vous présenter une petite trouvaille. Il s'agit de ça. Un petit micro HF sans fil, très confortable pour jouer et que je vais essayer de vous faire découvrir. Alors, comme vous pouvez le voir, pas de fil derrière la bretelle de l'accordéon, juste une antenne émettrice. Alors, le côté pratique, c'est qu'on le place comme ceci, voilà, et c'est tout. Donc une mobilité parfaite, une prise de son qui est très bonne. Moi j'ai juste mis deux petits scratchs ici, adhésif double face, donc j'abîme pas l'accordéon. On peut le remettre et l'enlever comme on veut, voilà. Alors, quand il est livré avec une pince, comme ça c'est, qui est montée sur un caoutchouc ici, vous voyez. Donc moi je l'ai enlevé, j'ai mis mon scratch, et voilà. Ça, celui-ci, je l'ai gardé pour la main gauche. Et il prend parfaitement du haut en bas. Alors l'avantage, c'est que on a sur cette face, voilà ici, un petit potentiomètre pour le gain. Ici, vous voyez, on le voyant vient de s'allumer. Donc on l'a mis en route, et l'avantage c'est que le voyant se rallumera en clignotant quand il vous restera pratiquement pile, mais vous aurez largement le temps de finir de jouer. Voilà, je l'éteins. Voilà, les piles, et ben voilà, c'est une petite pile d'un volt 5 traditionnelle. Ça dure environ 6 heures de jeu, j'ai testé, ça passe pas mal. Alors, en ce qui concerne le récepteur, le voici. Ils ont l'avantage, on peut les coupler par deux parce qu'ils sont vendus avec des pattes, donc on peut parfaitement le mettre en rack. Voilà. J'ai oublié aussi de vous faire voir qu'on pouvait régler sur le micro, je sais pas si on va le voir, voilà, on va essayer d'être un peu plus près. Voilà, on peut régler les canaux, il y en a 16. Donc parfaitement rackable. Et je voulais surtout vous le faire voir au niveau de la qualité du son, c'est très bon. Donc on va les allumer. Moi, pour la main gauche, je le place, vous voyez, comme ceci. Et on va pouvoir voir que le son passe parfaitement bien. Il prend tout le clavier sans problème. En ce qui concerne la main droite, parfaitement une bonne prise de son.
Alors, si vous essayez ces micros, ben moi je vous conseille de les brancher non pas en XLR mais en jack. Parce que l'XLR est beaucoup trop sensible et on entend trop les bruits des casse-cagnettes. L'avantage c'est que ben voilà, quoi, j'ai pas besoin, j'ai pas de fil. Je peux reposer mon accordéon avec son micro, le reprendre quand je veux, remettre forcément celui-ci sur la main gauche avec sa pince. Mais bon, c'est très très léger. Hein. Alors, je voulais juste vous faire profiter de ça. C'est des micros qui sont vendus chez Thomann. Et le prix vaut pas le coup de s'en passer. Je vous laisse juste la référence. La voilà. C'est vendu au prix de 125 euros en pièce. Voilà. Donc, vous voyez, pour main gauche, main droite. Vous dépensez à moins de 250 euros et vous avez un son qui est très bon, une bonne prise de son, un confort, pas de fil et tout va bien. Alors donc les copains qui veulent jouer avec des micros, ben, je vous conseille d'aller voir sur ce site. Voilà, bonsoir à tout le monde.